vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va super. Donc voilà, on est en route pour tourner aujourd'hui, on est dans la voiture, hein. Toujours comme conducteur, Pix, hein, évidemment, c'est lui qui conduit. En fait, j'avais fait un petit concours sur ma page Facebook et sur... ma page Facebook et mon Facebook nananana. Page Facebook Nana Hachi Nana Model, hein, c'est bien ça. Donc je suis accompagnée justement de l'abonné qui a justement... l'abonné fille, hein, qui a justement gagné le concours. Donc voilà, je la présente. Coucou à elle. Et bien sûr, il y a aussi notre ami qui est tout le temps dans les vidéos. Toujours présent. Rémi. Donc l'abonné c'est Chloé. Et Rémi, voilà. C'est aussi un abonné en soi. Donc bien sûr, là on est parti pour tourner, comme je venais de le dire, pour un parcours géant en fait, d'un gonflable. Enfin, un parcours géant gonflable en fait de 340 mètres. J'arrive encore, je me le suis répété avant de faire la vidéo, au final j'arrive à l'oublier quoi. Donc 340 mètres de parcours, gonflable géant. Ça, on met l'accent dessus. Avec... Géant, gonflable. Géant et gonflable. Et donc voilà, on est des vrais gosses, pour faire ça, on est des vrais gosses. Et avec 38 épreuves, c'est bien ça? Voilà, 38 épreuves qui nous attend. Du coup, on est ready, hein, on est prêt. Et ah oui, il y a Romain de X-Rider en fait, qui sera avec nous dans la vidéo. Donc c'est c'est un abonné, désolé. C'est un youtubeur de parc d'attraction, X-Rider. Vous pouvez aller voir sa chaîne, X-Rider, tout simplement, avec 8000 abonnés, si je ne me trompe pas. J'espère qu'il ne va pas me taper s'il avait plus. Je vous mettrai sa chaîne en description, tout simplement. Vous pourrez aller voir, checker tout ce qu'il fait, tout ça. Donc là, je vais avoir le soleil en pleine gueule. Et nous avons Omer qui parle. Donc voilà, là, j'ai le soleil en pleine gueule, donc on va vite swiper pour pas avoir cette sale gueule, hein. Bien sûr. À tout de suite. Alors, simplement, la première épreuve, c'est un saut dans le vide. Vous avez soit un 5 mètres de haut et vous tombez à 2,50 m, soit un 4 mètres et vous tombez à 2,50 m. Donc il y a une différence d'un mètre simplement dans la chute. Quand on est au-dessus, ça paraît haut, honnêtement, c'est pas très haut. Le seul conseil que je peux vous donner pour que ça soit un maximum de sensation, c'est d'essayer d'aller vous asseoir avec les mains devant. Parce que si vous sautez, vous allez avoir un choc un peu bizarre. Et si vous mettez les coudes, vous risquez d'avoir un peu mal au cou. Ça va? Ne vous inquiétez pas, c'est mou, hein, mais ça peut brûler un peu. La deuxième épreuve, vous devez courir. Et la troisième épreuve, comme nous sommes à Tournai, on nous a dit que vous étiez sportif. Normalement, c'est des escaliers et on glisse. Les escaliers, on glisse. Là, on a mis le jeu dans l'autre sens. Donc, il faut s'entraider et puis descendre pour les escaliers. Il y a deux jeux que vous allez trouver un peu bizarres parce qu'ils sont faits plus pour les enfants. Ce sont des échelles. Donc, vous, quand vous allez vous mettre dessus, normalement ça risque de plier. C'est pas grave, vous passez simplement. Pour les enfants, c'est guille parce que c'est des échelles. Pour les adultes, c'est moins impressionnant. Ça va. Et le reste, amusez-vous simplement. Donc, le but, c'est pas d'arriver le premier à la fin? Non, ici. Non. Le but, justement, c'est d'arriver à la fin. D'arriver à la fin, on vit. Voilà. Justement, en ce moment, nous, l'objectif, c'est d'arriver à créer des animations en bulle sociale. Puisque c'est la mode en Belgique, des bulles sociales. Et donc, l'idée, c'est venez en famille, restez en groupe. Et amusez-vous, déplacez-vous en groupe dans le château. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est pour ça qu'on a retourné la troisième épreuve, parce que là, il faut vraiment s'aider. Et c'est vraiment l'idée ici, à Tournai, on est venu pour ça. On est une des seules attractions ouvertes, parce qu'on peut faire ça en plus. Ça va? Je vous laisse y aller, et moi, je vous attends à la deuxième épreuve, parce que je vais quand même un peu vous embêter. D'accord. Bon, moi, me connaissant, ouais, laisse tomber, moi, je saute pas de autant. Vous allez le faire tous? Oh, purée. Allez, viens avec nous. Ah, putain. J'ai peur du vide. Allez, vas-y. Vous voulez que je meure? Oh my god. Qui c'est qui saute au premier? Oh non. Chloé, vise le milieu, hein. Allez Chloé. Pas fort à moi. Comme tu veux. Moi j'ai peur mais ça va. Ouh. Un, deux, je sais pas. J'ai peur. Faut passer au milieu, hein. Bah oui. Bah oui, faut pas tomber dans les trucs. C'est ça qu'il disait, qu'il allait nous embêter, hein. Mais il faut avancer, Chloé. Il faut courir. Comme dans Total Wipeout, cours, cours, cours. Faut courir. Vas-y, vas-y. Ah. Allez, Nana. Allez Rémi! Ah, hey, il est passé Rémi! Allez Chloé! Regarde comment elle va nous... regarde ça! Elle est passée d'une telle facilité par rapport à nous! Coucou!
rider. Attends, attends, je vais essayer d'y être. Ah, pas comme ça. On voit des petites têtes dépasser. Allez, les petites têtes. Oh. Allez, entraînez-vous. X-Rider comme un grand. Oh les Rémi. Oh, X-Rider du premier coup. Le saumon. Eh mais moi deux j'en avais déjà marre, alors trois. Un, deux. Ouh, j'en peux plus. J'en peux déjà plus. À toi. Oh l'atterrissage. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est Total Wackpot ici. Mais il faut courir. Comme l'autre, faut courir. Nope. Deux boules. Nope. Moi, je dompte les boules. Nope. Je les dompte pas du tout. Bah ouais, les dompte pas du tout, ces boules. Hein. Oh, trop bien. On dirait qu'on sort d'un anu, mais c'est pas grave. Un dauphin, mec, un dauphin. Bon, bah là, on monte. Ah, oh, il y en a deux. Un mec à la moitié du bazar. Ouais. Ouais, je faisais ça aussi en gymnastique, c'était dur. Alors avec autant d'échelles. Allez. Allez, on va derrière. Les filles d'abord. Vas-y Chloé, tu peux le faire. Allez, plus que 3 Chloé. Ah, ça fait très mal aux pieds. C'est pas compliqué mais ça fait très très mal aux pieds. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my god! Il t'a fait descendre en douceur. Je crois qu'il est un peu lourd. C'est des échelles un peu plus pour les enfants donc. C'est trop dur! Oh non, 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 pas avec ça en plus. Sur moi je descends tout en bas les gars. Laisse tomber, moi j'ai la flemme là. Allez, regarde, je peux le faire. Ouais, ouais, c'est trop bien. Oh là là, elle est un peu trop chatouilleuse. Et il peut encore te tomber lui. Allez Chloé. Et là, c'est de la boxe, hein. Bon, rien. Et chacun fait sa meilleure prise, allez. Chacun sa meilleure prise. Elle est plus en avant. Direct. Trois d'un coup. Ah, ça commence bien. Oh oh. Oh oh. Allez, Clé. Oh oh. Saute, c'est assez plus drôle. Et tous ensemble, allez. Saute. On descend tous ensemble. On descend tous ensemble. Allez. Hein? Moi, je suis en deux. Allez! Ouh! Ouh!
Eh ben tu le dis toujours, c'est petit. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant. Ah merde, putain, fallait me dire avant. Oh zut, j'ai un problème de cheveux de GoPro. Eh nana. Ouais, toi aussi, t'as les cheveux qui ressortent. Oh non, mais là, c'est... Voilà. J'en veux plus, hein. Faut sauter. Ok. Voilà. Moi, je vais faire tout au-dessus, parce que je fais tout au-dessus, de toute façon. Allez, fais tout au-dessus. Elle a disparu. Parfait, encore un. Ah Wendy, c'est pour toi. Comment ça, c'est pour moi? Un oiseau, il est là. Un quoi? C'est un poisson. C'est un oiseau. Pourquoi un poisson pour moi? Parce que tu mets le poisson sur un peu. On dirait une grosse snake. Je dis ça, je dis rien. Rémi sans famille. Le décès. Et le sort de la chenille de ta mère. Sans violence. Alors là, c'est le run. Attention. La course jusqu'en haut alors. Jusque là-bas au bout, jusqu'à la fin quoi. Non, jusque là. Jusque la fin. Jusque la fin le run, non? L'arrivée. Normalement, jusque l'arrivée, ouais. Bon, on va essayer. On se fait une course. Les premiers à l'arrivée. 1, 2, 3. La GoPro parce que je transpire. Putain, je me tape que les trucs qui font mal. Oh putain, c'est quoi ça? J'en peux plus. J'avance pas. J'ai plus de force. Hein? On est plus tout jeune. Ouais, non. On a plus 20 ans. Hein. Fait boing, boing, boing. C'est la ligne d'arrivée? On va croire deux trucs. Allez, tu peux le faire. On va dire ça, hein. On va dire ça. Ouais. J'en peux plus. Mon masque il tombe, la sueur avec. C'était pas fou, ça. Ouais. Ils sont. Parce que toi, les familles, elles mettaient 30 minutes pour le faire. Vous avez mis combien, pas longtemps là? 13 plus 15 minutes, ouais. Peut-être 30 minutes, un peu. Du coup, voilà, Medicorn, c'est la fin du parcours. C'était un truc de folie. Comme vous avez pu le voir, on s'est cassé la gueule littéralement tous, sans exception. Du coup, bah, nous avons Romain de X-Rider qui est à côté de moi. J'ai oublié de le présenter au début. C'est gentil, merci. Moi, je t'ai présenté. Moi, je m'en vais. Mais normalement, j'aurais sûrement mis que c'était toi un passage ou quoi. Voilà. Oui, bon. Du coup, bah, en personne, c'est lui. Hein. C'est bien mis sa chaîne dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Parce qu'en plus, avec ses 8000 abonnés, bientôt 8000, faites-lui bientôt les 8000 abonnés. Et oubliez pas, vous abonnez aussi à sa chaîne, ceux qui sont qui regardent pas là, enfin qui regardent et qui s'abonnent pas. Je vais parler, c'est de la fatigue, excusez-moi. Abonnez-vous aussi à sa chaîne aussi, parce qu'elle fait du bon contenu aussi, du bon travail, et elle mérite d'être montée un peu plus haut. Ah, c'est gentil. Voilà. Allez, donne-moi tous tes abonnés, c'est 8000 abonnés. Allez, c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce parcours? Je sais une tweet. C'était pas moi ta tweet là, faire comme t'as ça. T'as un poisson rouge.
Et vous, pensez quoi du parcours alors? Chaud, marrant, bon flanc. Et avec le temps, c'est pas évident. Mais sinon, franchement, c'est assez marrant. C'est vrai que sur la durée, les premières minutes, ça va tout seul, mais sur la fin, on est vraiment épuisé. Ouais. Au moins, on fait son sport pour la soirée. Oh oui. Pour son pour mois, semaine, pour ouais. son mois plutôt. Ouais, le sport pour son mois. On était comme si on sortait de la piscine à la fin. Après, heureusement, on a fait ça du soir entre 19 et 20 heures. Hein. Heureusement, oui. Heureusement, parce que sinon, on serait déjà mort. Du coup, bah, c'était génial. Du coup, ben, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr, hein, ça, comme d'habitude. Likez sa vidéo aussi, je la mettrai sûrement en description aussi, parce qu'il va en faire une sur sa chaîne. Du coup, vous verrez un peu les vous verrez les deux plans de chacun à chacun. Et ben, mettez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo, bien sûr. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Bisous, Meika. Voilà, je viens de terminer le parcours qui est franchement excellent. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors cette année nous avons 3 dates de confirmées. Donc c'est ce week-end-ci, le week-end du 15 août à Tournai, le week-end prochain 21, 22, 23 à Arlon et le 12 et 13 septembre sur l'aéroport de Liège, juste en face de l'aéroport de Liège. Et nous attendons encore une confirmation pour Bruxelles, mais ça, tant qu'on n'a pas encore l'accord officiel, nous ne pouvons pas encore le dire. Donc vous tournez principalement en Belgique, c'est bien ça? Pour l'instant en Belgique, mais on a une demande ici pour le Luxembourg et 2 demandes du côté de la Bretagne en France. D'accord. Et après, bah, tout ce qui est information complémentaire, je vous mettrai... Vous avez un site peut-être? Alors, le site c'est thebig.socialbubble.fun. Voilà. On a décidé de faire facile. Voilà, clair, net et précis. Bon, en tout cas, je vous remercie de l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis je vous laisse aller checker tout ça. Ciao.